Boxe. De l'eau croupie à pisser sous les ponts. Il décide de partir au Sri Lanka dès le lendemain pour suivre une cure pour aller mieux. Mais il ne s'y rendra pas, car la veille, il a fait la tournée des bars. Ses affaires sont prêtes dans deux bagages quand on le retrouve inconscient dans sa chambre d'hôte. Il a tapé un genre d'infarctus. On découvre qu'il est devenu dépendant à la drogue cocaïnée et qu'il en mange souvent. On apprend qu'au pic de chaque défonce, il se photographie à l'instant du flash. Quand il reprend connaissance, dans un drôle d'état, il balbutie quelque chose. Je mange trop de cette merde. La dépendance fonctionne à plein tube. On lui donne à manger. Je suis presque noir et j'ai les yeux verts. J'aime bien danser bien, et en réalité, je suis un chanteur, un vrai, je le sais. Il marque une pause, boit une goutte d'eau, et les yeux clos, reprend sa tragédie délirante. J'ai un double menton quand je danse très bien. Les personnes qui l'ont découvert se demandent ce qu'il se passe. Au cours de sa vie, il a souvent contemplé ce rêve, moribond et allongé sous des inconnus absolument attentifs. Une ambulancière dirait « Quel dommage, ses lèvres sont si belles ». Puis il l'embrasserait et il mourrait. « Tu nages en plein délire, connard !» lui lança un Sandy le plombard. « Sorry, baby ?» Ce mec délire, conclut le plombard. Est-ce que vous voulez une assistance médicalisée avec prise en charge par votre mutuelle ou bien vous me signez ce papier? Et nous, on y va. Votre pouls est à 86 BPM, ce qui est correct, voire carrément parfait. C'est même le tempo ultime. Comme vous êtes ennuyant. C'est juste une constatation. Vous avez un bon fond, mais à la base, il s'endort et souffle ses derniers mots les yeux fermés. Pour le coup, à moitié, à la base. Il délire le con. Je monte sur Paris. À la base, je suis basé sur Dreux. C'est Marseille bébé. Team gâté. Mon rey. Bien ou bien la zone? T'as vu? Foutons le camp. Ce connard me déprime. On a qu'à cracher sur le papelard qui nous exonère de nos responsabilités et lui coller sur la face. Ça lui apprendra à délirer. Tournant les talons. Il remarque que les bottes du patient étendu au sol sont partiellement imbibées de mouise. Il réagit silencieusement sous la forme d'une succession de regards appuyés entre la merde et leurs yeux de collègues. Le lendemain, ils accusent une diarrhée rouge sang, mais sinon c'est bon. Il a survécu. In the forest. Il a digéré l'incident de la nuit. Ou bien était-ce un rêve? Lorsqu'un rire frénétique se provoque en son sein à propos de la peluche qu'il enlace dans ses bras, à qui il fait boire du café et qui le fait rigoler plus qu'il ne l'avait présagé. Remis sur pied moralement, il prend part, tout naturellement, à la manifestation qui a lieu dans sa ville de merde et qui bifurque un peu plus loin en direction du village vacances. Il suit gentiment l'immense cohorte de syndiqués pendant 30 belles minutes, en souriant sous cape à qui veut l'entendre. On suit la cohorte, cherchant des regards complices là où il n'en trouve que des fuyants. La foule borde le long lac en un tour complet. L'odeur des merguez accompagne un ralentissement provisoire du rythme au niveau du barbecue. Oui. C'est alors qu'il accélère et se cale en 8e place du cortège. Il évite la pole position pour ne pas diriger ces humains dont il ne connaît pas foncièrement les coutumes. Pensant halluciner, il reconnaît Chichon, un ami de vacances qui marche devant lui. Son copain est carrément le premier du groupe, 10 mètres devant. Primezotier, il lui crie « Courage !» Et son sourire malicieux, presque moqueur, traduit « Tu es fou de faire ça. Moi, je ne pourrais pas mener ces braves gens ainsi. J'ai peur pour toi, mon chichon. » Mais la foule va en grossissant, en aval, comme une big goutte géante d'humain. La responsabilité énorme de la prime position de son ami lui confère une crainte mêlée à 8% d'aura de fierté non feinte. On traverse les herbes, foulant la terre nue et tassée qui borde le lac long et fin et dont la pointe est préoccupée par une sorte de petit chalet pourrave, MDR. Je constate que les gens se stoppent au chalet tandis que je les dépasse en regardant derrière WAM de trois quarts gauche. Le terrain est devenu accidenté car pourvu d'un sillon de terre maintenant détassé et fleuri. Quelques personnes semblent encore me suivre ou, est-ce mon imagination motivée par les bruissements végétatifs émanant de derrière WAM qui défigure la réalité? Je suis consciente de prendre le mauvais choix car il est ardu de progresser sur cette rive. Il me semble me souvenir d'un rêve semblable à la situation, mais c'est peut-être la manifestation de mon intuition. Quoi qu'il en soit, les stridulations qui me suivent
me pousse au devoir, et je ne peux me résoudre au choix du demi-tour. Le lac est à ma gauche et la broussaille à droite. Désormais, ce vieux chemin abandonné me donne la sensation d'être seul et en danger. La rive opposée me rappelle qu'au début de la balade, j'aurais dû revenir en arrière, mais aussi que chaque pas me forçait à continuer. Mon fief et zèle aura ma peau de fesse un prochain matin. Je ne sais qui est passé ici, en je ne sais quel nombre, et puis a abandonné le passage pour je ne sais quelle raison. Derrière mon dos, les herbages frémissent de surcroît et m'aguerrissent, mais je n'aperçois plus personne. Je foule le sol qui se déroule en une bande de verdure hostile sur un décor toujours un poil plus sauvage. Une odeur, dont je n'avais pas forcément bien remarqué les effluves animales, me met en alerte. À une dizaine de mètres en face de moi, se dérobe une zone de sentier sombre et assortie d'un genre de putain de bestiole zarbi qui boubouge vers moi, une bébête sombre à quatre papattes, aux cheveux en boucle et une tête plate sur un front palot, ras de poil. Ni elle, ni moi, nous ne ralentissons tout à fait. Masquant l'abasourdissement dont je suis victime, je passe proche de sa gauche en la fixant et en ne réalisant qu'à moitié sa présence. Son museau se tord et révèle de plus en plus de détails de son anatomie. Conscient du peu de temps que j'ai pour le faire, j'essaie autant que je peux de capter de quoi il s'agit. C'est un genre de gros agneau géant et trop mignon avec la bouche fermée et un air pas trop agressif. Lorsque nous nous trouvons à 40 cm l'un de l'autre et que l'angle mesure 2/3 pi radian entre la ligne de nos deux corps et celle de nos trajectoires initiales, ma main s'approche du flanc de son bec pour le palper tranquillou. J'ai quelque chose dans l'autre main, une sorte d'objet s'assimilant à une vieille clé USB, et au passage, je la pointe vers lui, par en dessous en m'abaissant légèrement, et la bestiole se met à sourire, ou bien à tirer du visage. Il est difficile de savoir si c'est de la défense ou bien de la joie. C'est un bien beau bestiau. Le pire du sublime, ses babines sèches et douces. Je me voûte sur lui et les baise une seule fois de mes lèvres. Elles se retroussent au toucher du baiser tandis que je remarque qu'elles sont chaudes et salées. Je ne contrôle plus trop ce que je fais, si bien que je branche la clé de bus USB-C 3.0 universel en série dans le bon sens, le mauvais puis encore le bon sous les poils de sa gueule, et subitement nous cessons de nous croiser et continuons nos routes. Le reste de mon avancée est très sauvage, alternant des passages dégagés et peu obstrués par la végétation avec d'autres que je n'ai absolument aucune envie de décrire, et vous feriez mieux de vous les imaginer toutes seules, ce que je pressens que vous faisiez avant que je ne vous coupe l'herbe sous le pied. J'achemine mon corps plus ou moins lentement, avec une foulée régulière, et mes péripéties me font songer avec perspicacité à ce qui se serait produit sur la rive d'en face. Sûrement autre chose, me dis-je. Je suis attirée par ce que j'imagine être les joyeux échos des manifestants de l'autre côté, et, afin de contrecarrer mon inquiétude, je me plais à surévaluer leur humeur générale en l'estimant à pseudo-nirvanesque. Au bout d'un bon petit moment, pas trop long non plus, je discerne, en léger contrebas derrière les boisements feuillus, de vigoureuses poutres rondes et blanchâtres plantées adroitement dans le sol sableux baigné de lumière, délimitant de façon décousue un vaste manège quadrangulaire encerclant des chevaux vivants destinés, a priori, à être montés plus tard. Depuis long time, je suis convaincue que ces big bestioles ne m'aiment pas, et, curieusement, j'éprouve cette assertion en projetant de m'approcher de leur chair, poils et organes, et de leurs yeux semblables à de grosses bibilles bien luisantes. Je me lance, présage la confiance et me presse à la hâte en descendant vers ce terrain dont j'envisage de traverser le paysage. Je saisis mieux la configuration de la place. Un sol argileux sablonneux dans lequel il me sera pénible de progresser, une sortie à gauche large de 3 mètres et en face, un bâtiment de bois. En plein milieu, se tiennent un ou deux chevaux qui s'affolent en se préoccupant de ma présence.
Rentrer dans le secteur d'un troupeau, c'est en devenir un membre qui remet en question la hiérarchie du groupe et la voie se réorganiser avec lui. Ces animaux ont de grosses babines bien dodues, on dirait sa vourge au-dedans. Je n'hésite pas à approcher la barrière vers son fondement pour la pénétrer et la longer de l'intérieur pour éviter de traverser le terrain et me trouver le plus loin possible de la ponette et de l'étalon. Malgré mes préoccupations de distanciation, la jument louvoie vers moi par à-coups en orientant sa croupe vers mon corps pour tenter de m'asséner des coups de sabot, mais elle manque gracieusement à sa tâche pour le moment. Entendons-nous, je capte ce qu'il se manifeste en moi. Augmentation de mon cardiogramme par un facteur double, disparition de ma salive, polyvide, yeux exorbités et attention affolée. Nonobstant l'expression des symptômes de ma panique, je m'encourage à en finir. Les rosses sont de vraies saletés et se montrent systématiquement agressives à mon égard. Même en rêve, c'est la raison et sûrement la conséquence de l'aversion que je leur porte. J'esquive les attaques comme je peux, mais elles s'acharnent tant qu'elles me touchent. Maintenant, le malbourrin a pris la relève et mitraille mes flancs avec application dans un nuage de bourrade prodigieuse. Dans mes cris, je danse sur le sable comme une chiffe. Le boulivari de l'horreur tire en longueur. Son gros fessard, pareil à de puissants coussins alertes, fait mouliner ses papattes qui martèlent des coups lourds comme des cathédrales sur mes pauvres cuisses ramollies de bleu. La cadence infernale de la branle des avoines m'a déchiré le blue jean, me déculottant au passage et exposant mon arrière-train fatigué qui ne manqua pas d'échauffer la vaillante bête au vu de son sexe dilaté et infesté de mouches à merde. In extremis, j'ai le temps de rouler extramuros à l'abri d'un viol certain. Ayant subi une indiscutable volée, je suis libre, sous un soleil accablant qui empire le délire de mon état. La poussière a volé de partout. J'en ai absorbé par ma bouche et une pellicule en couvre mes muqueuses nasales lyophilisées et mes yeux magnifiques. J'ai affreusement mal au cuisseau et mesure combien le polichon m'a fracassé. Après ça, revenu sur le sentier en boitillant et pleurant, je suis littéralement en chien. La route tourne un peu à gauche et je vais la terminer enfin. Même si elle est aussi accidentée que tout à l'heure, je prends presque plaisir à avancer. Je me considère comme sauvé et ça va bien mieux. Je songe à cette attaque et me demande qui est le responsable. Si c'était de ma faute. Malgré toutes les précautions dont j'ai usé, j'ai violé le territoire d'un animal. Quel salaud avec son bon poil beige et blanc cassé, blanc crème, ses cheveux marron clair roux, ses grosses bides d'yeux noirs lustrés et sa babine inférieure follement poilue et pendante qui contraste formellement avec son attitude belliqueuse. J'ai toujours posé gréviste, mais c'est ma dernière tentative de manifestation devant des chevaux. Les groupes sont dangereux à traverser. Ce matin, le réveil se fait en douceur dans un petit chez lui de merde. Il s'étire doucement comme la vieille chatte qui l'incarne, dans son lit, au bout, commodé, accueillant des livres occasionnellement issus des boîtes à lire qui commencent à pulluler dans sa ville. Il se lève, prépare son café crotte, serre une éclaboussante pissée qui dessine un soleil du crépuscule matinal contre la faïence tintante, tout en se délestant de rechef d'un lourd paix salvateur, sorte de grand soufflé du gaz comprimé durant la nuit dont il apprécie, contrairement à l'impropriété de langage commune, apprécier ne signifie pas aimer, mais estimer ou mesurer. Apprécie donc l'odeur qui lui rappelle les leçons de Patch Doulian de Dodgeball. Il tente de réunir les bribes de rêve avec force ténacité avant que son œil ne regarde passivement la lumière extérieure à travers la fenêtre, puis vers la porte et glisse sur le griffon nacré du fermoir pourri de sa clenche qu'il caresse pour s'en aller. Une fois prêt et de bon poil, il sort dans la rue, le skate sous le coude. Un clochard crache après son passage. Heurté, il n'ose pas regarder tout de suite si son molaire n'est ourdé, de peur de provoquer le cracheur. Loin de se sentir réconforté, il considère n'avoir rien fait pour subir cela, car parfois, il lui donne des choses à bouffer. Un peu plus loin, il avisse sa patte pour mais point de glaviot de clodo sur l'ourlet. Il avance dorénavant sur la rue, avec le skate porté en bras de chemise, mais il ne va pas assez vite au début de la voiture qu'il suit de proche. S'ensuit une altercation avec le passager du chauffeur, à qui il ne veut pas rendre la violence, mais dont il essuie l'injure suivante, « con de zèbre ». Pas de chance pour son agresseur, puisque les événements vont bien prouver une partie du contraire. Après l'incident, en grindant le corner de la rue Pilaf à Saint-Sulpice, il remarque à la dérobée un papelard brillantissime et s'en trouve saisi. C'est un bulletin de loto sportif gagnant, côté à prou contraint et équipolant à la surabondance de kilo euros. Il rentre chez lui, poser son skateboard pour repartir au centre du Jeu National à Paris et découvrir ses gains en centimes. Le soir même, il se voit remettre un énorme chèque et beaucoup de liquide dans un sac.
partirait directement dans un magasin Lacoste, il se paye toute une panoplie de beaux linges, ainsi que de belles baskets bien propres, moitié dures et moitié molles dedans, qui sentent bon le neuf. Ça lui donne envie de s'accoutumer à arborer la fragrance du neuf. Il imagine l'idée d'un parfum au miasme de... neuf à vaporiser sur nos affaires. Il est heureux et ça lui flanque un tout petit peu la boule au bide. Lui, enfant de la misère, se retrouvant plein aux as. Il va pouvoir s'acheter un bon repas ce soir et les jours suivants, partir sans délai en avion dans un pays qu'il rêve de parcourir. Ses habits sont quand même discrets. Pupule Lacoste, un rayon orange acide et pantalon de velours grenat surplombant des running hors de prix, ultra confortables et magnifiques. Il se sent zar bizarre, mais ça passe. Il porte aussi un veston croisé de vieux pour passer incognito et une petite casquette en cuir noir nique qu'il convoitait derrière une vitrine depuis l'enfance pour son prix mirobolant et la superbe qui s'y adjoignait. En se rendant vers un restaurant extraordinaire à la tombée de la nuit, il s'achète un couteau de poche excessivement cher avec faux tranchant irisé et plaquettes aux reflets exorbitants de vernis teint carmin sur bois, bien lourd et rassurant, un fichu rasoir qui va lui permettre de couper sa viande ce soir. Flavien, le portier, l'accueille et surine un sourire torve en lui ouvrant l'espace couvert d'une épaisse moquette truculente. Affamé et excité, il fait une arrivée inimitable dans l'hôtel-restaurant et se dirige vers l'hôtel d'un somptueux repas, présageant une nature sans pareil. Chaque pas s'accompagne d'un surcroît d'intensité de la musique, de chambre provenant de la grande salle et davantage d'odeurs de raffinage et d'encore plus de plaisir pour le théâtral moment qu'il va kiffer de jurer. Il a été suivi par une nana. Cette dernière se pointe à la ronde de sa table. Un peu étonné tout de même, il l'invite à écraser son cul sur le coussin de velours de la chaise de bois planquée derrière la nappe blanche en jacquard. Souriante, elle s'assoit en face de lui. Bien non mécontent, Yel se regarde patiemment en souriant aux prémices des oracles. On leur a fait parvenir le menu, mais monsieur le refuse habilement et dit « On prend le maximum de mets, les plus chers possibles, les meilleurs au monde, le plus de plats et d'entreplats différents possibles, mais attention, sans non plus exagérer sur les quantités. Les vermouths et jage apprécient scrupuleusement choisis et pour chaque étape et contre-étape, ainsi que les tabacs correspondants, fournissez-nous les cortèges spectaculaires qui iront d'orchestre avec la cuistance et à titre d'exemple, mime pour le dessert, évocation de la page Wikipédia de l'histoire de l'alimentation à tout moment, massage tibétain de la boîte crânienne après les seconds plats principaux, touche de piano de New Wave et de New Wave à l'apéritif, blague sur le krautrock au digestif, venue des directeurs de l'établissement après l'entrée de poisson, danse ésotérique au triple d'entreplats, numéro de One Ungendered Show de non-humour à la toute fin. Du café, etc. de Sand. Monsieur, je me permets de nous contraindre pour vous avoir en obligation pour pareil défi immémorial. Sur un crédit illimité et avec faire valoir d'un tips de presque une bonne quinzaine de pourcentage sur la note, de nous servir en bonne et due forme le meilleur souper de tous les temps. Là-dessus, la salle s'est comprise silencieuse. Même le pianiste, abasourdi par une telle annonce, interrompt John Cage, 4:33. Les gens et personnel, bouche bée ainsi que la nana en face de Wham, marquent des sourires les plus amusément interloqués qu'on n'ait jamais vus sur la planète bleue, puis des échanges de regards s'attisant de joie. Il corrobore cet instant par une sempiternelle annonce. « Et vous ferez cela pour tout le monde ici. Avec force, café, et une poignée de Nabuchodonosor, de Château Mouton. On tiendra jusqu'à demain matin. Remplissez les tables vides et sans réservation pour les plus démunis qui siègent dehors sous la pluie et appelez des renforts pour l'écueil de service. J'ai gagné au loto aujourd'hui, mon pote. Vous allez recevoir le plus gros cachet de votre vie après ce tintamarre débordant. Vous écrirez la note sur papier de soie à l'encre de sèche que nous aurons dévoré durant cette ribote et l'encadrerez en haut de l'accueil et nous y laisserons glisser nos yeux au blanc jauni, témoins de cet excès que vous nous porterez en civière dans les chambres de ce luxueux hôtel. À tout de suite. » Le garçon tourna les talons, comme un robot pétri, dans l'émulation, et prêt à servir au mieux son maître dans les règles de l'art. Lecture d'un extrait de Moëf ou la malingre
écrit par Miesco, lu par Matteo Vergne. Un lendemain Oulix. Le caquettement d'une chauve sourax sur le rebord du vasista offre à sa mine une risette et déterre le ressouvenir d'une riboultinque de comptine. Mais sans mur, plafond, étant les reliefs poivrés parsèment mon corps, les poches de ses songes et les yeux de sa face entolorie veloutés des fourmillements exquis qui pétulent. Il s'est réveillé seul, sans la personne qui l'a trinclé sous la nappe, tandis qu'il se faisait enculer comme un gros clébard par le chef de service de 19 palais à peine et au sexe petit et fécond, dont la forme, tressée en trompette renversée et une peau couperossée jaune, l'avait autant séduit que répugné quand il avait surpris, impipé par tous ses pores d'un gros cru bourgeois, classé et écolant hâtivement de larges pissées dans une soupière propre trônant au milieu de la nuit. D'un air absent, mais profondément enfoncé en lui dans la fête, qui vrillait encore, il se prépare et sort de l'hôtel qu'il chantonne à surnommer intérieurement « baraque à frites », rimant avec « barque à saucisse ». Son état de délire contenu rend toute chose hyperdrolatique. Dans un réflexe automatique d'absurdation joviale, et dans ce cas précis, l'inversion de sens est simple, mais extraordinairement suffisante pour délirer. La personne t'accueille, l'attrape d'un « bonjour, comment allez-vous ?» Et la discussion se prolonge ainsi. « Oui, dis-je timidement, cool, toute la team est heureuse pour vous, hoche-t-il. Je reste pour une durée indéterminée. J'irai bientôt au Hilton de Copenhague. Vous connaissez ? Oui, monsieur. Il est beau ! Hilton sur le Marriott. Je vous réserve une suite pour le jour que vous voudrez. Cool. Oui. Cool. Un peu enquiquiné, il enchaîne habilement en joignant les mains. Bon bah, vas-y gros, je sors me décourdir les papates. D'ailleurs, j'ai super mal aux cuisseaux, dit-il en se les tapotant. C'est parce que l'autre coup, je me suis fait cogner par un foutu canasson méchant. Ou était-ce moi le méchant dans l'affaire? Ou alors... Attends. C'est à cause d'hier soir, sous la table, quand j'ai pris ma pété par le cuistot. Finit-il par te monter sans vouloir d'autre réponse que le silence qu'il obtint, suivi par ses saluts. Bonne journée, monsieur. Oui, de même, monsieur. Je suis dans la navette de l'hôtel de la Grande Avenue Chic. Vous me déposerez au plus près de la porte de l'établissement Ferrari Testarossa, s'il vous plaît. Dis-je, au chauffeur si classieux en ce midi. Je veux pas salir mes pompes sur le trottoir, mais atterrir en douceur dans le magasin et à pieds joints, ajoutai-je. Une fois de temps, j'empoigne la main de l'agent concessionnaire pour conclure l'affaire en le complimentant hypocritement sur la douceur de sa peau, mais sans pour autant le lâcher et en insistant sur un gros râpé que j'escompte obtenir. Mais tant il ne veut entendre raison depuis le début de notre rencontre.
et qu'il m'accorde subitement pour couronner sa gêne. Et de ce fait, les négociations en ma faveur. Je repars. En esquintant bien franchement le teco de la Ferrari Testarossa aux 460 chevaux sous le coffre d'un moteur couvert en céramique. Des sièges en suétine d'Alcatraz. Une hauteur symptomatique de matériaux exquis et sertis de détails. Si éloignés de tous les véhicules que j'ai connus auparavant, comme là. Teinte dégradant la couleur nuit, en passant par l'orange pour finir la frange du pare-brise jusqu'à l'habituel cristal. Si ces ingrédients avaient appartenu à une voiture pourrie, je les aurais sûrement méprisés, alors qu'ici tout est estampillé Ferrari Testarossa et j'avale tout à la béquille sans mâcher. J'aime tout. Tout me transporte. Libre, comme un writer échappé de son emballage pour croquer sa meilleure vie, je roule vers Londres, prenant autostoppeuse sur autostoppeur, tant la Ferrari Testarossa jaune, vitaminée par Koenig Specials, âgée de 30 ans et ressemblant à un grand bon bec brûlant. Elle consomme pas mal de fuel, alors on s'arrête régulièrement pour la recharger et faire des clins d'œil aux gosses. J'abandonne la Ferrari Testarossa au camp de la voiturière de Lilton, Copenhague, et la somme de la carrée dans un quartier mal famé à 1 heure de distance. Les clés au cockpit en cadeau. Elle s'y engage, sans prendre soin de notifier l'hypomanie de ce caprice. Certain de quelque chose que mon petit doigt me dit, je tiens à mener l'enquête. J'attends la voiturière, dans la vaste partie brasserie du hall de Lilton. Entassé derrière le sofa, je rote ma collation. Je viens de dévorer avec soin un hachis parmentier aux écrevisses du Nebraska au safran et patates de jardin déposées de fleurs bleues, confites au champagne cerise Paul Rémy et noisettes de pavot sucrées de truffes cascogne façon tarte tournée Grand Chimbo. La cause de ce roux coûte les yeux de la tête. Je me cache entre les coussins, mimant un prétendu jeu de cache-cache avec des enfants qui pourraient passer. Je vaticine que la femme va revenir sans avoir laissé la bagnole à l'endroit indiqué, qu'elle a rangé la caisse dans un endroit sûr, un parking de dépôt de luxe, avec les clés rangées dans un coffre-fort ou un trou dans le bois d'un arbre. Je n'affuble point. N'importe quelle énergumène aurait manie quand c'est ainsi. Je suis content pour elle, mais j'ai envie de la tourner en jouant de sa personne pour la mener au délire paranoïaque intérieur par un rituel de psychologie inversée dont je serai l'instigateur. Je suis détendue pour l'accabler de mon attaque et quand je l'aperçois, dos au promontoire des escaliers rouges qu'elle monte en enjambées désastreuses, j'écrase un rire de joie qui fait tout sauter la crapote de ma bouffarde sur le coussin cousu du sofa soigné d'un doré de satin qui s'embrase une seconde. Sa grosse gueule, enfarinée, me fait carrément péter de rigolade et me décoiffe alors que je m'étais glissée entre le guéridon et le canapé exubérant pour me discréter. Je la suis d'un regard surexcité. Elle passe déposer son surmanteau au vestiaire des employés et reprend son service derrière le bureau. Je m'empresse d'aller la voir, ne calculant pas ma stratégie confiée au laisser-aller de mon instinct pour paraître plus imprévisible que j'avais à ses yeux et mener ses nerfs
du mieux possible vers la crise bancale. Si elle passe cet examen, alors je l'embauche comme personne à tout faire et assistante soumise à son travail, formée à la belle vie et grassement payée. Je lui apprendrai mes habitudes et nécessité de très grands bourgeois moyens qui mélangent aussi des malfaçons simples de vie. Je la harcèle calmement des phrases de manière à ce que mon intérêt paraisse désordonné et dénué de sens dans son expression. Et donc, en désaccord avec le sens de mon questionnement profond. Elle est perdue, mais elle se bat pour ne rien laisser paraître. Elle a même l'air plus sereine que sa consœur. Le piston s'inverse et je récolte un temps la frousse. Ce jeu me fait perdre la tête et donnant validation à son examen d'embauche et marque notre départ. Adam et Ève, combattus par le vent et la pluie en tenaille, Yael marque la route de l'indéniable. Son du V8 couleur master. Le coffre est rempli de choses. Plusieurs carnets vierges qui allaient tâcher de le rester et des godasses dépotées. On s'arrête souvent car il doit se faire cracher. Ses naseaux produisent une quantité importante de mucus à cause du vent qui s'accumule. C'est pourquoi, sous des airs de repos, il demande de l'aide à son assistante, écumant le relais d'autoroute ouvert et fermé pour travaux dans lesquels il s'engouffre à pas de loup par la sortie. Il affectionne ce dernier quart à son humble avis. Il prétend qu'il raconte une histoire. Entre chaque arrêt, il déblatère sur ce sujet, laissant son verbiage pisser sur la route des langues déliées en détaillant les raisons de cette fascination. La puissance et l'ordre qui se dégagent de leur délaissement, les herbes folles et la mousse sur les vieux mobiliers chargés de mixtions vétustes. Ces lieux évoquent multitude d'histoires dues au passage des gens qui partent pour la belle vie en vacances et s'arrêtent stressés ou de mauvais poids-poils de cucu sur ces lieux transitoires. La vida loca s'y invite et la famille de son concentré se résout à en être l'acteur principal. Ces hétérotopies varient en fonction de l'horaire et sont aussi nourries par la lubricité de certains humains. La solitude des chauffeurs et la saleté qui s'y séjourne, les aires des repos fermés regroupent un potentiel imaginaire qui inspire quantité de mystères qui se matérialisent surtout quand on y accède en bagnole et même à pattes, même encore plus petit à pattes d'ailleurs, lol, genre en stop, quoique ça se discute MDR. Yael en son friand à chaque arrêt, son assistante perfectionne bien le truc. Elle offre le bout de son index contre une de ses narines et il pulvérise la morve à la parisienne. Ses mouchages à extraction libre, appelés aussi le mouchoir d'Adam, permettent quand on vit nu ou sur les routes de se vider les canaux respiratoires dans les airs et les repos du mucus. De meilleure forme après, cet air et les de meilleure forme après cet exercice, Yael avale l'enrobé pour atterrir sur la capitale de la Grande-Bretagne. Suite à leur installation, dans la suite, pour lui et pour elle, dans une chambrette sobre et chouette, des derniers étages d'un bouge, Yael ont chacun quatre libres, quartiers libres, mais décident de découvrir la ville ensemble. C'est si beau ici. Oui, c'est l'heure du thé. On va bouffer un thé, vu que c'est le tea time.
Ici, en Angleterre, on est à Piccadilly Circus, en prime. Il est quasiment 5 o'clock. Madame la reine, lol. Qu'on rigole, dit-elle, tandis qu'elle s'installe dans un salon de thé. L'autre prend l'invitation d'employer le pronom féminin plusieurs, pluriel, pour la désignation du groupe de personnes mixtes pour le reste du chapitre. Alors, madame, la reine d'Angleterre, lol. La dame de service rentre près de leur table ronde et chic avec son plateau serti de 2 tasses assez grandes avec pas mal de thé brûlant qui refroidit vite à l'intérieur de la céramique. Elle se rassaisit de ce breuvage au goût très fumé, délice max, à la finesse grandiose qu'elles accompagnent d'un petit gâteau très sec qu'elle mouille dans le liquide afin de le ramollir et de le rendre digeste et croquable. Puis d'un autre truc à bouffer et aussi de petits fruits confits très bons qui collent aux doigts qu'elle se pourlèche en douce à l'abri des serviettes en tissu qu'on nomme sobrement « tissus » en Angleterre. Ce mot est employé aussi pour désigner la pâte à cul des garnitures de culottes lorsque les Anglais débarquent dans les slips des femmes réglées. Elles sortent vers 5 o'clock et des bananas et croisent des English grandmas, grannies, ainsi que d'Irish personnes qui déclinent spontanément leur identité à leur vue. « My name is O'Brien. My surname is O'Lulletins. I am O'Certainfinfins. I'm Sir Elton G's. Vos gueules, putain de rosebif !» crient nos deux comparses de concert dans leur fort intérieur en opinant respectueusement du chef accompagné d'un petit sourire courtois marqué à haute voix par l'échange de leurs noms respectifs. « Hello, Mrs. and Misters. Hello. » Ivre de joie, elles se rendent en dandinant chez Harrods pour succomber aux délices dévorées par Blue Card dans cet ordre. Pâté poivré de viande si gourmande, stylo délicat, caviar beluga en grappe de 400 grammes, cornet de beef préparé artisanalement et naturellement, un vertigineux fromage double Gloucester, oursin frais, rôti, sucrerie en meringue, fragile et cassante à la simple vue, gelée tremblotante, verte moulée en perroquet et une boîte de bouboule arc-en-ciel. Tous ces présents sont empaquetés joliment dans des beaux paquets payés droit pour compte de taxes. La totalité des achats multipliés par 10 en quantité est envoyée dans la soirée même à 10 familles presque pauvres de la banlieue proche du East End of London. Pour leur kiff, elles se prennent quand même une belle tranche de lapin concassé de cartame et truffes douces destinées à être dégustées plus tard au pieu et sans pain avant de simplement s'endormir paisiblement. Mais après ces emplettes dans ce bel endroit, la plus belle boutique du monde, elle hèle le taxi qui les emmène dans le London very very chic pour y déguster 2 Welsh harbits du plus bel effet, pain salé mariné à la Worcestershire sauce et bouilli au cheddar fondu. Avec 3, 4, 6 grosses pintes de brune Lancaster and Wire triple à 8,50 degrés qui les alourdissent de rentrer pioncées pour regarder un Div X quand même, Fight Club ou peut-être un truc aussi naze, nascool et moins violent. Chapix. Le lendemain, IL se réveille très à l'heure dans 2 lits différents et descend en pantoufles. Bonnet de nuit blanc de lit fin 18e siècle, chemise de nuit ivoirine de lin et culotte fendue dans la salle du petit déjeuner qu'IL engloutissent. Œufs brouillés roboratifs et triangles de pain grillé aux marmites, relief de Christmas pudding au bain-marie et un peu de thé, un peu de judo. On les emmène au magasin Chappie et Dax pour qu'IL se véhicule pour leur voyage dans les Andes. Pour ce Noël, IL vont se rendre dans le sud du Pérou, dans les cérémonies de baston de fête. La mini-moto qu'IL ont achetée est l'outil idéal pour se déplacer car elle est très discrète et l'inertie de la roue arrière, de la roue libre, est assez puissante pour 2 belles personnes. IL ont choisi un modèle aux roues préparées crossing pour allier confort et adhérence dans les chemins de terre battus d'un vieux bitume. Malgré leurs 2 beaux gabarits européens, IL ne se lasseront pas de je sais plus quoi. La moto les accompagne en soute jusqu'à la province de Chumbivilcas. IL vole vers Miami pour une première escale, puis Bogota et enfin Cusco. IL se charge sur la moto,
Dax, sans aucune affaire, hormis leur linge de corps, chemisier et pantalon, ainsi que tennis discrète. IL parcourt des dizaines de kilomètres sur le pétoir pour un petit village dont la population est multipliée par 130 durant Takanukui, la fête traditionnelle. La mini-moto est ici échangée contre deux ensembles de fêtes, jambières en cuir, chapeau de carton avec étoile argentée et bordure jaune, beau gilet bleu bébé et masque facio bigarré. IL repère une place libre sur la piste près du bar. La fête consiste en des défilés, des chants, l'absorption d'alcool et surtout des bagarres un contre un, les poings couverts de tissu. On est censé régler nos différends de l'année, mais parfois on peut se battre jusqu'à ça, qu'il y a de la place sur le plateau. Donc tu vas te battre contre quelqu'un? Oui. Au milieu d'une vaste prairie remplie par la foule, quelques guitons colorés abreuvent des magnifiques Péruviens bruyants et joyeux. L'arbitre tient un fait pour contrôler la foule kibitzant, une succession de combats où l'on se bastonne en fonction de sa catégorie. Les enfants, les femmes et aussi les hommes et les ados. « Chikra Koustou !» cria l'arbitre. Traduction, le blanc doit rentrer en piste. C'est moi. J'y vais. Bon combat. Merci. Il voit arriver son adversaire. Pueblo tiene una guila mascota, dos novias y monta una motocicleta, cria l'arbitre. Mince. Mais ce Pueblo m'impressionne. Il ne fait que 1m58, mais il possède un aigle de compagnie, deux copines et il fait de la moto. Le combat est rapide et sans trop de poussière. Pueblo, l'expérimenté, a gagné le combat et lui une tache de pipi entre les jambes. Il se serre la main et boivent un coup de pisco. Sa stagiaire se bat aussi et flanque une admirable branlée d'avoine à son adversaire. Elle s'est déguisée en adolescente pour avoir plus de chances de gagner. C'est chose faite, car elle a ravagé une fillette de 16 ans. La fête est réussie et derrière eux. Quel plaisir pour les deux. Comparse. Yels avance à pied, se disant que l'herbe ne sera pas pareille après leur passage. Tronche fatiguée et muscles chauds, peau tendue et grasse, vêtements qui sentent la poussière moite, Yels sont sacrément dématés. Leurs visages gonflés de sang par endroits indiquent l'emplacement des coups encaissés. Yels sont en position assise, en croissant de jambes, devant un banc, sur le chemin ensablé. Je ne m'étais pas battu depuis la primaire et un peu au collège. Idem. Comment on s'appelle ? Yep, comment on s'appelle ? Nous sommes grands, dit le garçon. Oui, dit la fille. Je n'ai plus envie d'avoir mon prénom de bébé, dit-elle en se soulageant dans le sable. Sa pisse chaude produit de la fumée, de la poussière fine s'élève du sable, de l'urine s'évapore dans une odeur forte et âcre qui remonte à leurs conduits nasaux et se trouve bien partie pour attirer des moucherons à urée et des drosophiles à étrons. Le géant voit une grosse pression dans un bruit ronflant de plaisir et fait mousser la petite cuvette qu'a formée la pisse dans le sable roux. La vasque déborde par endroits et les petits ruisseaux roulent pour se rejoindre et en former un plus gros qui descend par la pente la plus basse, comme pour tous les liquides du monde, et finit par se cacher dans des herbes un peu en aval hors du chemin qu'il a traversé. Sans s'essuyer, elle se rhabille et se rassoit. « Où est notre destinée ?» « C'est une excellente question, » répondit-il. « Où serons-nous demain ?»« Je ne sais. » Les deux se lèvent, tournent les talons et emboîtent le pas au vent. La végétation dans le sol sec croustille sous leurs pas dans la nature aride. La marche est éreintante, mais son son les réconforte. Si Yel se concentre sur ses émissions sonores, ça leur fait un effet relaxant à mort comme un microfilm ASMR. Réponse du méridien sensoriel automatique, type de film dans lequel des gens chuchotent et griffent du nylon et ça détend de ouf, et où les petits bruits sont exacerbés et procurent un plaisir même quand on prétend ne pas y croire. Le son du sol craque dans l'oreille et le plaisir vient tout de suite. Yel croise un indien d'Amérique qui énonce « Impala, Impala !» Note de la rédaction « Barrez-vous, barrez-vous !» Yel part ailleurs, à travers la zone naturelle, cueillant sur leur passage des condiments séchés pour préparer une boisson au rhum, qui elles nommeront tikutsek. Ingrédients ainsi. Feuilles de cannelle ramassées sur un coin de maison ancienne, citronnelle sur un vieux citronnier cassé, gingembre dans une boîte en verre, orange non loin de quelques grains de sable, café chez un café, faham, vanille sur un établi fatigué,
verveine à l'intérieur d'un petit sachet, anis étoilé et enfin du suc. Yel laisse macérer la boisson ticoute sec quelques jours au soleil. Elle goûte le mets. Ça a l'air fort, comme en témoigne son menton forçant prognate qui porte sur sa peau un peu du liquide brunâtre en échappé sous son sphincter buccal, aussitôt suivi et nettoyé par un petit bout de citron vert, frais, pressé, qu'il lui tend. La femme le laisse goûter à son tour. Il examine le ticoute de sec du palais et révise le même blocage saillant de la maxillaire inférieure et se nettoie aussitôt la bouche sous la douche d'un sixième de citron frais. Les deux rôdeurs continuent à presser le sol dans un crissement de 100 miettes quand Yel croise un facomocher de belle taille. Il a de belles piques saillantes à la face. Son poil, plus fourni qu'un simple facochère, est bien gras à la racine et noir sur sa gueule et gris sur son corps, où la chair flasque d'eau du Mans. Les deux amorcent une chasse tranquille en suivant son odeur. Yel le traque toute la nuit, en rêvant du méchant méchoui délicat qu'elles mériteront de mâchouiller. Cherchant à le fatiguer, Yel lui lance régulièrement des mini-caillasses pas loin de lui. Yel crie un peu et zigzague pour se mimer en une tribu nombreuse, car sans cela, la bête aurait fait volte-face. À un moment, Yel lui saccage les papattes puis les gorges. Son corps chaud, non déplumé, est badigeonné épaissement d'argile et posé dans les braises pendant des heures, puis cassé une fois cuit. Pendant ce temps, la tête est vidée et triée pour la constituer en pâté. Nos deux bouffent tout leur sou et se reposent près du feu qui meurt vers 6 heures du matin, les laissant au froid américain.